Aujourd'hui, au menu, c'est Fleischnacka. Vincent, le cuisinier, s'affaire pour préparer le plat principal, pendant que Charles s'occupe de l'entrée. Ses deux compères ont ouvert cette année leur petite entreprise de traiteurs pour enfants en collectivité, pommes et choux. La particularité de leur cuisine, c'est que tous les produits sont locaux. On produit des repas pour les enfants en périscolaire et crèche. C'est vraiment notre part de marché et on est vraiment axé là-dessus depuis le début, quoi. Alors les produits, ils viennent tous quasiment à 10 minutes, un quart d'heure de Markolsheim. Donc on travaille avec par exemple la ferme Goetz à Mussig pour tout ce qui est produits laitiers. Chez nous, il n'y aura pas de produits laitiers industriels. Ce ne sera que des yaourts fermiers, que du fromage fermier. On travaille également avec que des maraîchers du secteur, notamment à Baldenheim. Mussig encore une fois, et même pour les approvisionnements en viande, on n'est pas loin, on est à Chervillers. En fait, dans le concept, on s'est dit que déjà, si on va travailler avec les enfants, on a aussi un rôle d'apprentissage auprès d'eux. Et dans notre concept, on a vraiment voulu le développer jusqu'au bout, travailler en circuit court et ensuite aussi revaloriser tout ce qui est déchets, parce qu'on a énormément de déchets du fait qu'on travaille beaucoup de produits frais. Donc l'idée, c'était de faire quelque chose de cohérent du début jusqu'à la fin du concept. Leurs déchets alimentaires vont à l'usine de méthanisation de Ribeauvillé, là encore un des critères qui rentre dans l'ADN de l'entreprise. Car Vincent et Charles se sont donné comme mission de travailler des produits frais, locaux et faits maison. Ils cuisinent aussi avec des produits bio comme le lait, la farine, les pâtes, le riz ou encore le pain. Ils ont 500 repas par jour à préparer, un challenge puisque leurs clients sont des enfants. Alors ça c'est des salades qui viennent d'être récoltées, regardez la souche est encore toute blanche. Alors les enfants, c'était très intéressant, parce qu'on a nous des enfants de cet âge-là, de ceux qu'on nourrit, et deux, parce que à cet âge-là, les enfants qu'on nourrit, nous, entre 3 et 11 ans, s'ouvrent énormément à tout, et notamment aux légumes. Et on s'est dit, si on leur fait redécouvrir des légumes frais, des légumes anciens, des légumes d'Alsace, ils les mangeront peut-être. Si on sait les cuisiner comme on veut les cuisiner, c'est-à-dire toujours frais, toujours maison et bien assaisonné. Alors nous, il y a quelque chose qui nous intéresse beaucoup dans donner à manger à des enfants, c'est que non seulement ils s'ouvrent à ce qu'on leur donne à manger, mais aussi c'est le moment où on peut les éduquer au goût. Et donc on n'est pas simplement prestataire, on ne livre pas simplement des repas. On a envie d'aller plus loin et de faire des animations chez eux. Donc on va cuisiner chez eux. Ils pourront aussi venir cuisiner chez nous. Et enfin, nos fournisseurs iront aussi dans les périscolaires. Et les périscolaires se déplaceront aussi chez nos fournisseurs parce que c'est quand même sympa pour les enfants de pouvoir se déplacer. Vincent et Charles devraient d'ici la rentrée 2020 avoir plus de 1000 couverts par jour. Leur maximum pour toujours, conserver la proximité, les produits frais et faits maison. Toutefois, ils n'excluent pas à l'avenir d'ouvrir une deuxième cuisine ailleurs avec le même concept.